bien payés, nombreux sont les routiers à risquer l'aventure sur cette piste de 350 km. Elle relie Djibouti à Hargeisa, la capitale du Somaliland. De l'autre côté de la frontière, la ville de Zeila, ou plutôt un champ de ruines, qui abrite près de 10 000 personnes. Une ville-étape pour tous les chauffeurs. Les aventuriers du désert se réveillent doucement, à la fraîche, vers 6 heures du matin. Rachid, 42 ans, fait le trajet jusqu'à la capitale deux fois par semaine. Ce camion, c'est tout pour moi. C'est ma maison, mon lit. C'est ma vie, quoi. Avant chaque départ, Rachid s'acquitte des taxes douanières. Une opération qui tient plus du folklore. C'est le représentant de sa compagnie qui apporte l'argent. Il se trouve dans ce sac de toile. On pourrait croire qu'il y en a pour une petite fortune. Loin de là. La monnaie du pays ne vaut rien. Il faut près de 10 kilos de billets pour payer l'équivalent de 1000 euros de droits de passage. L'employé des douanes n'en peut plus de compter des milliers de billets. Ça, c'est 500 000 shillings du Somaliland. 500 000. Soit un peu plus de 50 euros. Les fonctionnaires ne les comptent même plus. Ils contrôlent juste l'épaisseur des liasses. Et mieux vaut donner la pointe, sinon on gare à la monnaie. C'est bon, il y a le compte. La plupart des marchandises transportées par Rachid et les autres camionneurs ne sont pas destinées au Somaliland. Tapis, denrées alimentaires, téléviseurs dernier cri. Tous ces produits ne font que traverser le pays vers l'Éthiopie. Mais aucun chauffeur éthiopien ne veut prendre le risque de faire cette route. Nous, on est les rois du transport. Après 35 ans de désert, le camion de Rachid a perdu de sa superbe. Bon alors, les pneus. Bon, ceux-là, ils ont l'air bien. Ceux-là aussi. Il tient encore debout, mais c'est de l'ordre du miracle. Tiens, tu me regonfleras la roue de secours, hein. Les pièces mécaniques ne sont remplacées que lorsqu'elles cassent. Bon, ceux-là aussi, ils sont nickels. Sauf les pneus. Ils les changent tous les mois. Un pneu qui éclate en plein désert, et le voyage tourne au tragique. Rachid prend la route avec un mécanicien et deux passagers. Dès 8 heures du matin, le soleil bloque l'aiguille du thermomètre à son maximum, 50 degrés. À ce niveau de chaleur, les hommes ne transpirent plus. Tout s'évapore immédiatement. Vous allez mettre combien de temps pour faire cette route ? Combien de temps ? Mais ça dépend. Dans le désert, si tout va bien, les 350 km, on peut les faire en 2 ou 3 jours. Si tout va bien, ils ont à peine entamé les premiers kilomètres que la première difficulté pointe son nez. Tiens, regarde là-bas. Ce camion, c'est pas normal qu'il soit arrêté. Je connais son chauffeur. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai l'embrayage qui m'a lâché. Mais comment tu t'es foutu dans cette galère ?
Et il faut vite que tu sortes d'ici. Ton camion est dans le passage. Tu risques de te faire percuter par les autres camions. Comment peut-il risquer l'accident? Son camion est visible de loin et les autres véhicules ont la place de le contourner. En fait, tout cet espace n'est qu'un immense piège. La terre qui borde la route est extrêmement fine et sous cette croûte se cache du sable mou. Dès que les chauffeurs quittent la piste, les camions s'ensablent. C'est pour cela qu'ils rasent les véhicules en panne et souvent à fond. Les trois hommes tentent de changer la lourde pièce au plus vite. Vas-y, pousse encore! Mais sans cric pour soulever le camion, l'opération est un calvaire. C'est lourd! Ça me coupe les mains! Vas-y, pousse avec les pieds! On ne passe jamais à côté d'un copain en panne sans s'arrêter. Car si on ne s'aide pas dans le désert, bah on est mort. On est tous des frères de la route. Le copain de Rachid repartira quelques heures plus tard. Vérifier régulièrement son camion, c'est le secret de Rachid pour déjouer les pannes. Car les retards lui coûtent beaucoup d'argent. Son patron les décompte de son salaire. Toute la famille dépend de l'état du véhicule. Sa femme ne travaille pas et il a deux enfants à nourrir. Allez, on y va. Le temps perdu à aider son copain dans le désert. Rachid doit maintenant le rattraper. Le plus dur la nuit pour les chauffeurs est d'arriver à suivre la piste. Il ne faut surtout pas perdre la route des yeux. Sinon, c'est l'ensablement. Tiens, regarde. Lui, il est bloqué. Il s'est fait avoir comme un débutant. Il est sorti de la piste. Et moi, je peux pas le remorquer. Je m'ensablerai comme lui. C'est trop dangereux. Nous, on reste sur la route. Ces hommes le savent, ils sont là pour une bonne partie de la nuit. Cela fait 6 heures qu'ils bataillent. On est foutus. Les trois chauffeurs sont à bout de force. Personne ne viendra nous aider. Et résignés. Mais c'est de notre faute. On n'a pas vu que l'on sortait de la piste. Leur salut arrivera avec le jour, quand les chauffeurs de passage verront où mettre leurs roues pour les remorquer. Rachid est vaillant, mais son courage en pleine nuit a ses limites. L'ensablement n'est pas la seule chose qui l'effraie. En fait, moi, je ne descends jamais de mon camion la nuit. J'ai bien trop peur. C'est à cause des serpents et des varans. Leur morsure est empoisonnée. Et ici, ça grouille de partout. Ils sortent le soir, quand il fait moins chaud. Dans la journée, la fournaise assèche le moindre point d'eau. La nuit, par contre, le précieux liquide reprend ses droits. Comme un pied de nez au désert, il transforme la piste en piège de sable et de boue, impossible à prévoir. Il faut du bois pour créer de l'adhérence. Mais dans le désert, le matériau est aussi rare que l'eau. Les chauffeurs doivent se contenter d'un rondin de bois qu'ils avaient embarqué. Mais tu n'y arriveras jamais si tu t'y prends comme ça. Il faut que tu avances tout droit. Tout droit. Rachid tente de prendre les choses en main. C'est bon. Allez, vas-y. Souvent, les chauffeurs n'ont pas d'autre choix que d'attendre le retour du soleil.
Non, non, je suis pas très inquiet. Je vais franchir le passage sans problème. Ils vont reboucher les trous là et là. Et moi, je vais prendre cette trajectoire tout droit. Allez, toi, tu me ranges la pelle, hein. Au petit matin, le désert a changé de visage. Il est un peu plus vert. Dans cet endroit hostile, la vie tente de reprendre le pas tant bien que mal. De l'eau se cache sous le sable, tout juste de quoi faire pousser ses plantes rachitiques et déformées. Rachid roule depuis près de 24 heures. Épuisé, il fait une halte dans cette petite oasis. Elle marque la moitié du parcours. Je suis mort. Complètement vanné. Je dois me reposer. Je vais aller dormir. Alors, tu as de l'eau fraîche ? Non, non, j'ai plus rien. Rien ? Oh non ! Il ne lui reste que du thé. Et de quoi lutter contre la fatigue. Du kat. Tous les chauffeurs en mâchent. Ces petites feuilles vertes ont pour vertu de tenir les hommes éveillés. Les yeux de Rachid tournent au rouge. C'est une drogue puissante qui agit rapidement. Il devient aussi très irritable. De toute façon, le Somaliland, tout le monde s'en fout. On en a marre. La terre entière nous a abandonnés. Le Ducat, j'en prends quand je suis très fatigué. Là, je broute ma dose pour tenir le reste du voyage. Mais c'est quand même de la drogue. Et bien sûr que c'est une drogue. C'est celle de tous les chauffeurs d'ici. Le kat, c'est 100 fois pire que le whisky. Finalement, la fatigue sera bien plus forte que les effets de la drogue. Pour rester dans les délais, Rachid ne s'est accordé qu'une heure de pause. Surtout que maintenant, il attaque une partie du trajet où il va devoir rouler au pas. Aujourd'hui, je dois rouler toute la journée et ne plus m'arrêter. Car on arrive en zone montagneuse et sur cette piste, je ne peux pas aller très vite. Derrière cette chaîne de montagnes se cache la capitale et la fin de son voyage. Mais pas la fin des embûches. La chaleur et les pierres coupantes ont eu raison des pneus neufs de ce camion. Le chauffeur maudit ses pneumatiques de marque chinoise. Ils ne résistent pas à cette piste. Nos pneus se déchirent, comme s'ils étaient en carton. C'est rapidement l'embouteillage. Il y en a plein qui vont arriver. Ouais, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Il faut attendre. Rachid s'est trouvé une place à l'ombre, mais il a quand même pris les choses en main. J'ai demandé à mon mécanicien d'aller les aider. Yeah.
Mais pourquoi tu l'aides? C'est pour qu'on reparte plus vite. Tu comprends? 1 heure plus tard, la piste est enfin dégagée. Après avoir passé les montagnes, Rachid met pied au plancher. Maintenant, il a un peu d'avance et peut même espérer une prime. Si on n'arrive pas trop tard, on a le temps de décharger et de recharger à nouveau. Comme ça, on peut repartir dans la foulée. Un aller-retour rapporte environ 100 euros, soit 3 fois le salaire moyen au Somaliland. Un salaire confortable que les chauffeurs gagnent au prix de leur vie. Beaucoup meurent sur cette route. Hargeisa, la capitale, est la grande fierté des Somalilandais. 1 million de personnes vivent ici. Complètement rasée par la guerre civile il y a 20 ans, elle a été reconstruite sans aucune aide internationale. Mais dans la plus grande anarchie, à l'image de son réseau électrique. Rachid a mis 2 jours pour faire à peine 350 km. Très fatigué, il cherche quand même un autre chargement. Bon, maintenant, il faut me laisser, je dois faire vite. Je me suis même pas lavé depuis 48 heures. Ce jour-là, c'est jour de marché. Rachid ne va avoir aucun mal à retrouver une cargaison.